Salut les amis, c'est Tonton Lego, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Les amis, on se retrouve pour un truc assez spécial les gars, je vous expliquer comment voir la rediffusion de l'event Unvaunting tout simplement sur PC. Alors les gars, il y a un lien dans la description, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien et donc du coup vous allez accéder à cette page. Donc tout simplement, pour commencer, il va falloir télécharger un fichier qui est le fichier Unvaunting Event. Donc vous cliquez dessus les gars, vous allez ici sur les trois petits points, vous téléchargez le fichier. Une fois que vous l'avez téléchargé, voilà, faut attendre un petit peu, voilà, il fait une trentaine de démos. Donc une fois que c'est fait les gars, vous l'avez dans votre PC, dans un dossier qui s'appelle téléchargement, ou alors vous, là où vous le mettez quand vous téléchargez quelque chose. Bref, simplement une fois que vous l'avez, vous êtes tranquille. Alors, Epic Games nous a mis une petite notice les gars, tout simplement pour vous expliquer comment faire pour pouvoir installer ce mode de rediffusion. Alors voilà, suivez les étapes ci-dessous pour télécharger et voir un fichier de rediffusion dans le jeu. Alors les gars, tout simplement c'est télécharger le fichier, on l'a fait, lancer Fortnite et accéder à l'onglet carrière, sélectionner rediffusion et cliquer sur ouvrir les dossiers de rediff, ajouter le fichier Unvaunting Event Replay, c'est celui qu'on vient de faire, et dans le jeu, cliquer sur actualiser et sélectionner le jeu et lancer la rediffusion. Alors, il est possible que qu'il y ait un petit bug, les gars, si vous ne le voyez pas. Tout simplement, je vous conseille de fermer votre jeu et de le relancer. Et après, vous inquiétez pas, vous allez trouver forcément ce fichier. Alors, les gars, on se retrouve directement sur le jeu Fortnite, forcément, en Battle Royale. On va dans l'onglet carrière, les petits poulets, et en mode rediffusion. Alors, voilà, le fichier, moi, je l'ai déjà parce que je l'ai déjà fait. Donc, pas de souci, vous inquiétez pas. Je vais expliquer comment faire. Vous allez dans ouvrir des dossiers de rediff. Tranquillement, vous cliquez dessus, vous allez accéder directement sur le dossier de votre ordinateur, là où se trouvent tous vos replays. Alors, à partir de là, les gars, vous allez prendre le dossier Unvaunting Replay que vous avez téléchargé et le glisser directement dans ce dossier-là. Par mesure de sécurité, je vous conseille d'actualiser directement sur place, comme ça au moins vous êtes tranquille, mais assurez-vous bien que le fichier replay soit dedans. Les gars, vous allez fermer, vous allez actualiser du coup votre petite page, et là vous allez pouvoir apercevoir que le fichier Unvaunting Event est présent. Vous faites donc du coup un double clic sur ce petit fichier, et là vous allez pouvoir lancer la rediffusion, vous confirmez, et voilà, c'est parti, on peut aller donc du coup regarder l'event les gars, c'est un truc de ouf, donc merci du coup à Epic Games, merci à Fortnite d'avoir fait ce petit geste. Un conseil les gars, si vous voulez voir directement l'event, avancez à 8 minutes, moi je vais vous mettre directement à 10 minutes, voilà, on va partir en drone libre, comme ça vous allez pouvoir apercevoir directement le volcan qui va cracher des petites bouboules, voilà, je vais pas non plus vous spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais voilà, je vais quitter assez rapidement, mais juste pour vous faire voir que, voilà, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Donc je vais me décaler un petit peu sur la gauche, et là on va pouvoir apercevoir les boules de feu qui vont partir à droite à gauche sur la map de Fortnite. Donc j'ai pas à vous spoil les gars, tout simplement, voilà, on va pas rester regarder tous les events, mais voilà, c'était juste pour vous faire voir comment il fallait faire. Voilà, on va quitter gentiment les petits poulets. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, les gars, des notifications pour ne louper aucun de mes débuts de live. Et aussi les vidéos que je mets sur Fortnite pour les défis. N'oubliez pas le code créateur Tonton Lego. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Tonton Lego. Ciao, ciao.